Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, concept exceptionnel, je suis pas tout seul, je suis avec monsieur Dr Never. Bonjour à tous. Est-ce que t'es prêt pour la vidéo? Non. Est-ce que déjà tu sais ce qu'on va faire? Je te l'ai dit vite fait, mais il connaît pas trop. En gros les gars... Il m'a dit on va manger des bonbons, alors je me suis dit bon ok, j'ai préparé ma brosse à dents. J'ai préparé aussi ma brosse à dents au cas où, parce que les gars on va manger les bonbons les plus dégueulasses du monde, les Jelly Belly. Donc je sais pas si t'as déjà entendu parler. Alors j'ai entendu parler de ça parce qu'il y a une classe entière qui est partie aux urgences après avoir mangé ça mec. Ah ouais? Non mais vraiment, et vous tapez sur Google Jelly Belly, c'est en Angleterre. Ah ouais. Et ça s'est vraiment passé, non vraiment. Et t'as quand même accepté de faire la vidéo? Bah je savais pas que c'était ça en fait. Et bah mec c'est trop tard hein, on est parti. Tout va bien se passer. Y'a un truc à gagner? Est-ce qu'il y a un truc à gagner? Y'a rien à gagner, mais justement, il y a un truc à perdre. Parce que le perdant aura un gage, et le gage c'est tout simplement que si toi tu perds par exemple, tu vas devoir changer la photo de profil de tes réseaux sociaux, donc à savoir Instagram, TikTok et YouTube, pendant une semaine. Et c'est moi qui choisis la photo de profil que tu vas devoir mettre. Instagram, TikTok et YouTube. Et ouais, pendant une semaine, sans contexte, rien. Tu dois rien dire aux abonnés et tu dois changer la photo, tu vois. D'accord, donc si c'est moi qui gagne... C'est toi qui changes ma photo, de mes réseaux, du coup, Insta... Et je mettrai ma gueule, mec. C'est toi qui décides. C'est okay. Toi qui décides. Franchement, comme tu veux, d'accord, et moi comme je veux. Tu dois rien dire. Wow, mais attends, mais tu vas me mettre quoi, mec? Je te dirai. Et puis si t'es pas d'accord, tu me dis, tu vois, une autre possibilité. Ah ouais, attends. On verra. Mais le but, c'est de gagner, parce que t'as pas envie de changer ta photo, moi non plus, tu vois. Ah, mais je veux pas une photo avec des dents de requin ou un truc comme et ça. Et du coup, le perdant, en fait, ça va être celui qui tombe à chaque fois sur le mauvais goût. Parce qu'en fait, les Jelly Belly, du coup, on n'a pas expliqué, pas encore. En gros, par exemple, on a les bonbons noirs ici. Donc, il y en a un, par exemple, c'est foie et oignon. Donc, dégueulasse. Et il y en a un, par exemple, c'est cappuccino. Donc, en gros, je vais te mettre, par exemple, un bonbon noir. Si tu tombes sur le mauvais, donc. Ah, là. Comment on choisit? Chacun son tour. Ah, bah, c'est quoi tu veux. D'accord. Je vais choisir en vrai. Ah ouais, ok. L'invité de la chaîne, je te laisse choisir. Ça va. Donc en gros, on va tout simplement l'ouvrir. Oh mec, déjà ça pue. Non. Je te jure, ça pue. Hein. Oh non. Ah mec, c'est dégueulasse. C'est hein. Horrible. Mais... Les gars, vous savez ce que ça sent? Ça sent un sac de sport avec des vieilles chaussettes pourries. Ah, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un goût chaussettes. Ah non, mais ça sent ça. Non, mais ça veut dire qu'on va manger ça là? Ouais, mec. On va manger ça, mec. Non, mais attends. Oui, c'est pas bon. Mais en fait, ce qui. Ah! J'avais pas senti aussi longtemps, essaye de sentir longtemps. Moi je sens vraiment la chaussette et le vomi, ouais. Et du coup, attends. Je déteste le vomi, faut le savoir. Je vais t'énoncer du coup tous les goûts dégueulasses. Alors pas les bons. Les dégueulasses, on a le foie et oignon pour le noir. Le rouge, on a vieux bandage. Le jaune, on a œuf pourri. Ah non, ça c'est horrible, œuf pourri. Encore vieux bandage, tu vois. Œuf pourri, je pense qu'il est pas bon, ouais. On a le bleu pâte à dents, on a vomi. Donc ça, c'est ce qu'on a senti, je pense. Ça, faut surtout pas que j'ai le vomi. Donc, le vomi, c'est les oranges. Ensuite, on a un peu les caramels, on dirait. Donc, c'est punaise, goût punaise. On a les verts, crotte de nez. Pas de chance. Crotte de nez. On a les un peu couleur crème, eau de vaisselle sale. Oh! Mais tu sais qu'apparemment c'est ultra réaliste. Mais attends, ça veut dire qu'ils ont pris des vrais goûts. Je sais pas, mec. De chaque truc pour faire ces bonbons. Du coup, on a été le je vert. Je sais pas pourquoi j'ai accepté ce truc. Franchement, j'ai tout à y perdre. T'as rien à gagner en plus, c'est ça le truc. Bah ouais, j'ai rien à gagner. À part avoir ma gueule sur tes réseaux, et ça c'est pas mal, mec. Moi j'ai pas dit ce que j'allais mettre. J'ai une petite idée, mais je te montrerai si je gagne. Du coup, j'en étais crotte de nez, le vert. Eau de vaisselle, on a dit. On a chaussette puante. Et puis à la fin, c'est un orange aussi, poisson mort. Poisson mort. Poisson mort. Bah en même temps, quand tu manges du poisson, il est mort, mec. Je mange jamais du poisson vivant. Ouais. Je pense que c'est du poisson mort peut-être qui a pourri, tu vois. On va commencer si tu veux. Bah attends, on va tous les faire dans l'ordre. Les noirs. Alors, les noirs. Vas-y, les noirs, prends-en un. Et je sais même pas lequel c'est noir, frère. Ouais. C'est lui. Ouais. Attends, c'est quoi les goûts? Alors, pour les noirs, ça va être soit cappuccino, soit foie et oignon. J'ai pris lui, les gars. Ok, moi je prends celui-là. Du coup, s'il est bon, bah tu peux le manger. S'il est dégueulasse, tu peux le cracher. Ouais, vas-y. Fais, alors, 2, 3. Oh, bah c'est bon. Moi c'est bon. Et dehors les gars, et dehors. Il est dégueulasse. C'est vraiment cappuccino les gars. Il est bon. Ouais. Mec, moi c'est sûr il est pas bon du tout. Ah. Oh, les gars, je viens de bouffer du coup foie et oignon. Mais les gars, moi j'ai un cappuccino. Ah ouais. Ils sont bons. Ah bah mec, regarde. Donc t'as 1, j'ai 0. Ok, ouais. Tu pars bien. Très bon. Bon, dégueulasse. Merci pour cette. Attends, pas sur mon canapé le truc dégueulasse mec. La suite, deuxième manche, rouge. Donc ça va être soit le vieux bandage, soit grenade. Grenade plutôt sympa, vieux bandage pas trop sympa. Ok, je prends lui. T'as pas hésité? Non. 1, 2, 3. C'est grenade. Moi aussi. Ok. Bien joué mec. Bien joué. Donc là c'est le premier bon que j'ai, et les bons, ils sont bons du coup. Je n'oublierai pas de me brosser les dents après. Après chaque dégustation de bonbons les gars, brossez-vous bien les dents. Bon. Ensuite, mec, des jaunes, œufs pourris ou maïs. Maïs éclaté au beurre, donc ça c'est cool. Attends. Ou maïs quoi? Maïs au beurre en gros, donc ça c'est bon. Même maïs au beurre, mec, je prends jamais un bonbon maïs au beurre. Hein. Alors t'as pris quoi, jaune? J'ai pris jaune. Et là, on risque l'œuf pourri. Oh putain. Troisième manche. Oh putain, frère. C'est parti. J'ai fait ça, j'ai senti un peu. Ah ouais? J'ai senti, moi ça a l'air d'aller.
C'est bon? Ah ouais, mec, ok. 1, 2, 3. Ah non! Quoi? Allez, t'as pas le choix. 1, 2, 3. Il est pas bon, le mien non plus. Ah ouais? Non. Ouais. Donc, les gars, il y a 2-1 pour Dr. Never parce qu'il est tombé sur deux bonbons qui sont bons et moi j'en ai eu un seul qui est bon, du coup j'ai qu'un point. Et à la fin, du coup, c'est celui. Vous imaginez pas l'odeur. Excuse-moi, j'ai eu un relent là dans mon nez. Ah ouais? Vous imaginez pas l'odeur de merde. Pardon. Ah ouais, non, tu peux dire, t'as Bah, l'odeur de merde qu'il y a là sur cette table là. C'est vrai que ça sent pas bon, mais je pense que t'es plus sensible aux odeurs que moi. Là, tu sens rien là? Je sens, mais moi je prends tous les points, j'allais les gober d'un coup là. Frère. Je suis un fou, mec. Vas-y. Non, mais pour la vidéo, non. Mais je pourrais le faire, tu vois. La vidéo pourrait s'arrêter maintenant. Oui. Tu prends tout et tu mâches tout comme ça et tchaval. Donc, du coup, il y a 2-1 pour toi parce que t'en as eu de bons. Et à la fin, celui qui a le plus de points, c'est celui qui va gagner, du coup. Ouais. Donc, ça va être soit pâte à dents, soit baie d'azur. Oh. Celui-là, je pense que c'est un petit baie d'azur, les amis. Un truc plutôt mec. Pas mal. T'es prêt? Ouais. Allez, 1, 2, 3. Ça va. Bah, moi, il est bon. Moi aussi. T'as appelé le goût, toi? Parce que moi, je crois que c'est pas le bon, mais il est bon quand même. J'ai voulu me le faire. En fait, en gros, il y a la menthe un peu. Ouais, ça sent. Mais c'est pâte à dents. C'est pas le bon du coup. Non, en fait, pâte à dents. Mais en vrai, c'est comme si c'était un bonbon au dentifrice, sauf que c'est un dentifrice à la menthe. C'est ça. Ça me fait penser au dentifrice. Bah, de la pâte à dents, quoi. Okay. Mais en vrai. Ah, c'est ça, pâte à dents, mais je suis con, c'est le dentifrice. Ouais, mais en vrai. Ah, mais tu sais pourquoi? Que je l'ai acheté au Canada, je pense que là-bas, ils appellent le dentifrice pâte à dents. Ah, tu l'as acheté au Canada? Parce qu'ils ont des mots différents, tu vois. Je pense qu'ils disent dentifrice, c'est pâte à dents. Attends, ces bonbons sont interdits en France? Non, c'est autorisé. Pourquoi ça serait interdit? Pourquoi tu les achètes au Canada, mec? Parce que je les ai trouvés là-bas. Regarde, c'est des dollars et tout. Ouais. J'étais là-bas. T'as acheté ça 500$? Mais non. 2-1 toujours, les gars. 2-1. Cinquième, le vomi ou goût pêche. C'est là qui ça me fait le plus peur. C'est lequel? Emoji pêche, les gars. Donc c'est quoi la couleur? Orange, mec. Bon, les gars, soit vomi, soit goût pêche. Soit on vomit, soit il y a un bel emoji pêche qui apparaîtra sur la tête d'un de nous deux. Allez, t'es prêt? 1, 2, 3. Mec, horrible. Oh, mec, horrible. Je crois pas que j'ai le vomi. Mec, mais si tu l'aurais su. Non? Ah, mec, il est dégueulasse. Ah non, moi j'ai pas le vomi. Moi, il est dégueulasse, mec. Ok, c'est le plus horrible que j'ai depuis le début. Ah ouais? Ça signifie que j'ai quand même 3-1. Moi, c'est pas du tout un truc dégueulasse. Ah, j'ai senti direct celui-là. Mais mec. Cependant, c'est pas de la pêche, de la bonne pêche. Donc j'ai un emoji pêche. Alors là, les gars, ça va être soit goût punaise, soit guimauve grillée. Ah, c'est pas possible. Ouais, c'est bon. Il est dégueulasse. Ouais, c'est bon! Je suis tellement content si tu mets ma photo. Mec, t'es bien parti là. Combien il y a? 4-1, mec. Ok, ensuite. Ensuite, le verre crotte de nez ou poire juteuse. Attends, montre. Bah, y a pas, on passe notre tour. Bah, les gars, on passe. Hein. On passe, y a pas de verre. Donc, ils ont bien niqué les Canadiens, putain. Alors, les gars, c'est soit eau de vaisselle sale, soit gâteau d'anniversaire. Allez, mec, eau de vaisselle sale pour toi, je le sens bien. Non. Et moi, gâteau d'anniversaire. Non. Ah, putain, c'était mon anniversaire le 23 septembre, mec. Bah, bon anniversaire. Merci. Et toi, c'est quand? Le 7 août. Ok, donc ça. Théoriquement, mon anniversaire était le plus proche. C'est toi qui gagne. Donc, je pense que je dois gagner. Normalement. Normalement. Ce serait ton cadeau d'anniversaire pour moi. C'est ça. Allez, let's go. Un vrai goût de Dragibus. Pas de gâteau d'anniversaire, mais un vrai goût de Dragibus. Dégueulasse, mec. Il est pas bon, ça va. Mais c'est au dessus de ça, c'est sûr. Ouais. Non, mais non. Toi, il est bon. Un goût de Dragibus. Ouais. Mec, mais t'as trop de chance. Ouais. Il est cocu, les gars. Non, j'ai pas de mal. Je suis célibataire. En vrai, je suis quand même à 5-1. En vrai, il en reste combien? Il reste 2. Dans tous les cas, j'ai gagné. Yes. On va quand même finir le jeu. Moi, au moins, je veux te voir décéder sur les deux derniers. Je veux te voir vomir. Ça, c'est un ami. Attends. Oh, j'ai même pas envie de te voir. Bon, et vraiment, le plus mauvais pour l'instant, ça reste le vomi et le punaise. Horrible. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais choisir pour que tu mettes sur tes réseaux. Mais pourquoi il a changé de tête? Pourquoi il a un calot de dentiste? Parce que c'est Dr. Never qui a gagné. Voilà. Allez, mec, avant-dernier, chaussettes puantes ou tutti frutti. Ah, tutti frutti. Tutti frutti. Petit cocktail. Comme les malabars. Tutti frutti. Let's go. Mec, j'ai le démon en moi. Le mien n'est pas bon. Non, moi ça va. J'ai peut-être le Covid. Mec, boah. Horrible. J'aurais peut-être le. Peut-être que j'ai le Covid, mec. Mais non, t'as senti l'odeur, mec. Impossible, t'as senti. C'est vrai. T'as senti l'odeur de merde. Impossible. Non, mais c'est bon. Donc, il y aurait un petit 6-1.
J'ai envie de dire Fanny sous le baby. Non mais mec. Gros. Non mais gros, c'est attends, s'il y a 7-1, tu passes sous la table, on est d'accord? Non. Attends. Si. Tu passes sous la table en mode commando. Oui, bah oui, j'avais fait. Et là, on te filme. Ouais, en plus de changer ma photo de profil pendant une semaine, je dois passer sous la table. Tu passes sous la table comme ça, tu fais un tour, tu fais ça et tu repasses là. Ouais, comme oui, ça. Bah oui. Ah putain. Bah, oui. Et comme ça, il y a un challenge pour la dernière. Et tu pourras marquer sur la miniature. Alors je le fais. Entre parenthèses, je passe sous la table. Ah, vas-y, c'est bon. T'abuses. Bon. Super, I win. C'est bon? Vas-y, mec. Ouais. Le mec sent pas bon. La dégueulasse, mec. C'est un sans faute. Et c'est un sans faute! Et c'est un sans faute! Mec, quoi? J'ai vomi. C'était vomi. Là, regarde, on monte nos sopalins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Allez, regardez, les gars. 1. Est-ce qu'on s'en fait pas un dixième, vu qu'on en a fait que 9, histoire d'arrondir comme on devait faire au début? Vu qu'on en a sauté un, il n'y avait pas les verts. Allez, un dernier. Mec. Un dernier, mec. Celui que tu veux, Balek. Peu importe la couleur, un chacun. Ah, on prend un ouais, chacun. Ok. Dégueulasse, mec. Horrible. Ouais. Horrible. Non, tu sais quoi, moi, j'ai dit un truc, mon sentiment. J'ai eu le sentiment qu'on m'avait essoré une chaussette sale. Ouais, comme ça. Ah oui, vas-y. Ouais, attends. Ah, horrible. Bon, est-ce qu'on annonce dans cette vidéo ce que tu vas mettre comme photo? Déjà, toi, t'aurais voulu mettre quoi en photo? Qu'est-ce que t'avais réfléchi à quoi? Alors, moi je l'affiche à l'écran. Tu la mettras, voilà, tu la mets ici, là. C'est la photo d'un petit poussin avec une petite phrase marrante, mais la petite phrase marrante, je vais pas la mettre. C'est quoi la phrase marrante? Très drôle. Très drôle. Ah, donc les gars, dès que vous voyez cette vidéo, allez voir ses comptes sur Instagram, même YouTube, sur la vidéo YouTube, sur... vous regardez, voilà. Il y a sa tête. Ah mais attends, faudra la mettre après, parce que ceux qui commencent la vidéo et qui se disent oh putain mais c'est pourquoi il a mis cette photo, ils vont comprendre avant de voir la fin, ils vont savoir que t'as perdu. Allez, bon. Je te conseille YouTube, mec. Ah, j'ai quand même 3 millions sur TikTok, ça fait chier. Hein. Bon, ah ouais. Ça te fait un peu de pub, moi. C'est vrai que sur YouTube, ça aurait été pas mal aussi, mec. Bah, allez, je la mets sur YouTube, on s'en fout. Allez. On comprendra la fin. Ouais, c'est bon. Parce que je lance ma chaîne YouTube, les amis, et voilà. Arthur a participé à qui sera le meilleur dentiste. Donc, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo. Qui sera le meilleur dentiste? Je vous mets le lien en description. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a perdu? On a tourné ça juste avant cette vidéo. Je vous en dis pas plus, c'était pas mal à faire. Voilà, donc il y a le lien de sa vidéo direct en description. C'est la première longue vidéo de ta chaîne. Mmh. Donc je me suis régalé à la faire. La deuxième ça vidéo. Ça a presque fini en combat de boxe. Je dis ça, je dis rien. On en dit pas plus. Ça a presque fini. Il était censé me faire une empreinte. Ça a presque fini en combat de boxe. Mais vraiment. Hein. Vraiment. Ah bah vraiment. 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 J'en dis pas plus. Le lien est en description, les amis. Sur ce, bah merci d'avoir participé à cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir. Merci de m'avoir accueilli, Arthur. Avec plaisir. Ça m'a fait très plaisir de vous voir. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, la chaîne de Dr Never. Pouce bleu, commentaire, cloche, la cloche, tout ça vous connaissez. Bah oui. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Arthur et Dr Never. À bientôt. À bientôt les amis. Ciao. Ciao. Brossez-vous les dents.